Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Je pense que cette semaine, je vais faire plusieurs vidéos à la suite et toutes collées. J'espère ne pas trop parler pour pas que ça dure 25 ans. Aujourd'hui, on est mardi, début des petits colis que j'ai reçus et je me suis dit que j'allais pas attendre d'avoir toute ma semaine de courrier pour filmer la vidéo boîte aux lettres parce que je sais que je vais avoir peut-être pas mal de choses et d'ailleurs il y a un colis que j'attends mais avec impatience mais je vous dis rien. Vous verrez sûrement après du coup si je reçois cette semaine. Là j'ai reçu 3 colis mais il y en a deux que je vais ouvrir aujourd'hui et l'autre je le garde pour une vidéo un peu spéciale. Un gros colis comme ceci. Je sais pas de qui il vient. Enfin, il y a écrit que c'est de Naïma mais si je pense que c'est la bonne personne. Je crois que c'est une abonnée et qui me suit surtout sur Snap avec qui je papote beaucoup 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 sur Snap qui me laisse tout le temps des commentaires. Si c'est bien toi Naïma, enfin je verrai confirmation quand je vais ouvrir le colis, mais si c'est ça, t'es juste une malade parce que tu devais juste m'envoyer une carte de participation pour ma fille. Et j'avais dit pas de cadeau. Bref, avant d'ouvrir ce colis, je veux ouvrir une enveloppe comme ça que j'ai reçue du site Gurin Beauté. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque de produits de beauté capillaire. Et là, du coup, je vais pouvoir tester tout un lot de pinceaux. Et ça, je suis super ravie. Donc, c'est la marque Beauté Live Professionnel. Vous savez que vous trouvez sur le site Gurin Beauté. À chaque fois, j'ai un code promo pour vous quand je vous présente des produits de cette marque. D'ailleurs, dans ma routine soins capillaires, je vais vous en reparler de cette marque puisque j'utilise le sérum que j'avais reçu de leur marque. C'est des produits capillaires que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas pu tester leur shampoing, etc. Parce que sur le site en fait Octoly, on peut avoir de ces produits-là, il n'y avait pas de shampoing adapté pour mes cheveux. Du coup, là j'ai vu qu'ils avaient fait un lot de pinceaux, donc je me suis dit tiens pourquoi pas tester. J'ai bien l'intention de faire une vidéo sur tous mes pinceaux et surtout ceux que je préfère. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous en reparler, enfin de vous les montrer là, de les tester et de vous en reparler. Donc voilà comment ça se présente. D'ailleurs, j'ai jamais eu de pot comme ça pour transporter les pinceaux et tout. Je suis super contente. Ou même pour après les exposer. Enfin, je trouve que c'est super pratique. À l'abri de la poussière quand vous mettez comme ceci. Et du coup, hyper pratique comme cela. On a à l'intérieur 6 pinceaux, 3 pour le teint, ah non, 7 pinceaux, pardon, j'ai pas vu le tout petit, 3 pour le teint et 4, je pense, pour tout ce qui est fard à paupières et peut-être un pour les lèvres, hein, celui-ci, je pense qu'il est pour les lèvres. Donc, pour le teint, on a un pinceau poudre. On a un pinceau poudre, j'aime beaucoup la petite touche violette, là. C'est super mignon, ils sont très très doux, c'est des pinceaux synthétiques très très doux. Alors il n'est pas hyper hyper large pour le visage, mais il sera très très bien peut-être pour ici. Ouais, non, non, il est pas mal du tout, du tout. Vraiment pas mal. Au niveau de la douceur, il est top. Un petit pinceau blush. Légèrement biseauté, toujours un peu violet. Comme ça, ils sont trop trop jolis avec la petite touche violet. C'est original, tout noir avec la petite touche violette. Donc il est très doux aussi pour le blush. Donc, un autre pour le teint. Alors moi, je suis pas fan des pinceaux comme ça pour le teint. Je les utilisais pour le masque. Pour mettre mes masques, en fait, je les utilisais avant pour mettre mes masques. Mais là, pourquoi pas le tester parce qu'il est vraiment doux. Donc, pourquoi pas pour le teint, pour étaler mon fond de teint. Mais logiquement, voilà, c'est un pinceau pour le teint. Ensuite, donc, on a 4 pinceaux plus petits. On a, je pense, un pinceau lèvres qui est repliable, comme ceci. Voilà, vous savez, les pinceaux comme ça, je sais pas trop, pas de rétractable, mais je pense que c'est un pinceau pour les lèvres. C'est pas précisé, mais je pense que oui. Mais c'est pas mal le côté rétractable. Voilà, ça permet de ne pas l'abîmer. Et 3 petits pinceaux pour les yeux. Ils ont l'air vraiment top au niveau de la qualité du pinceau. Donc il y a 2 pinceaux plats et un pinceau biseauté. C'est dommage qu'il n'y ait pas un pinceau estompeur. Ça aurait été quand même pas mal, un petit pinceau rond pour estomper. Ça aurait fait vraiment ça aurait été parfait en fait pour utiliser tous les jours je trouve. Mais là donc 2 pinceaux plats et un petit pinceau biseauté. Donc j'ai hâte de les tester et je vous reviens très très prochainement avec une vidéo sur mes pinceaux, mes favoris, etc. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce en l'air si c'est vraiment une vidéo qui vous dit et qui vous donne envie, si ça vous intéresse ou pas du tout, avec des pinceaux de toutes marques hein, et de tout prix différents. Donc voilà pour ce petit premier produit. Ensuite donc je vais ouvrir le colis de Naïma. Et voyons, je tiens quand même à préciser que le colis a été vraiment amoché. Hein. Je ne sais pas si ça se voit quand même. Hein.
Alors, oh là là, mais il y a tout un roman. Donc je vais lire ça avec la participation pour l'anniversaire de Kayla. Donc je vais vous montrer tout de suite la participation, comme ça c'est fait. Et après je vais lire sa petite lettre. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est super mignon. Alors elle me disait qu'elle avait pas trop de talent, etc. Que voilà, c'était pas une scrappeuse. Mais voilà, et bah écoute, c'est très très sympa. C'est parfait, joyeux anniversaire, gros bisous à Kayla. Je vais lui montrer ça tout à l'heure, elle va être trop contente. Je lis ton petit mot en privé. C'est écrit privé et je reviens juste après. Effectivement, c'est Naïma donc qui me suit sur tous les réseaux sociaux, qui me parle souvent sur Snapchat. Et voilà, son petit mot m'a vraiment beaucoup touchée. Et je vais pas dire que j'ai les larmes aux yeux, mais voilà, ça m'a beaucoup émue puisque ça me fait plaisir. Elle s'est présentée donc dans sa petite lettre en me disant un peu qui elle était, même si j'avais compris un petit peu qui elle était à travers toutes les petites conversations qu'on avait ensemble. C'est une maman, elle a deux petits garçons, enfin voilà, j'adore papoter avec elle, et à chaque fois que je vois un commentaire d'elle, bah voilà, ça me fait plaisir, c'est ma petite référente. D'ailleurs, à chaque fois que vous me laissez des commentaires et que ce sont des pseudos que je reconnais, que vous venez me parler, enfin voilà, ça me touche toujours de voir que vous êtes toujours là, sous toutes mes vidéos, sur mon blog, etc. Et là, elle a voulu participer à mon concours scrap, même si c'est pas une scrapeuse, et ça me touche. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a envoyé tout ça. Naïma, fallait pas, j'ai rien demandé, je l'avais dit. Elle me dit d'ailleurs qu'elle veut rien en retour, mais bon, on verra. Mais en tout cas, fallait rien m'envoyer. Donc c'est très gentil, elle m'a mis plein de petites choses dans le colis. Donc on va voir si rien n'a été cassé, ça a l'air d'être bien mitoublé, mais je vois que t'as dû mettre des trucs, voilà. Hein, bon, finalement, peut-être cette vidéo, elle va... Je sais pas si elle va durer 25 ans, sinon je ferai deux vidéos, hein. Boîte aux lettres, colis surprise. En tout cas, elle m'a mis un petit cadeau pour Oran, c'est trop mignon. Oh, mais fallait pas. Bah, je vais. Mais ça va pas de faire des achats pour moi, ça va pas, hein. Donc elle a mis pour Oran un petit short trop mignon de chez Kiabi, d'après ce que j'ai vu, oui. Et deux petits hauts pour cet été. Oh, c'est trop craquant. Oh là là là, c'est trop craquant. Merci. Et un deuxième. Trop mignon. J'adore. Donc parfait. Merci. Et elle a mis un cadeau aussi pour Kayla. Donc voilà, on voit qu'elle suit bien mes vidéos. Mais il fallait vraiment pas mettre tout ça. Oh, mais ça a l'air magnifique. T'as trouvé ça où? Oh, H&M. Oh là là là, mais c'est quelle taille? Ah ouais, bah 2-4 ans. C'est sublime. Sublime. Je trouve ça trop beau. J'ai jamais vu ça chez H&M. Bon, j'avoue, j'y vais pas tout le temps chez H&M. Mais c'est trop beau. Hein. Regardez-moi ce motif, c'est trop beau. Donc elle lui a mis un petit haut et un petit... Oh là là, il est trop beau le pull. Bon, faut que j'arrête de m'extasier. Mais il est trop beau avec sa petite tête. Regardez, en plus c'est trop marrant parce que ça fait le corps d'une petite fille comme ça. Et du coup il y a la petite tête ici de ma... Oh, Naïma, je t'enverrai une photo, c'est sûr, de ma fille avec, c'est obligé. Toujours en 2-4 ans, c'est parfait. Mais fallait pas. Alors je vois qu'elle a mis une trousse comme ceci avec plein de scotch et bien envie de souffler. Donc je vais l'ouvrir. Elle a mis aussi... Elle a mis des petits échantillons de thé, je pense. Ah, c'est trop bien. Elle a mis des petits échantillons de thé et tout ça. Je sais pas pourquoi c'est tout scotché, là. Je sais pas si c'est le fait que le colis, il a été un petit peu malmené à la poste. Mais en tout cas, voilà, elle a mis des petits échantillons de thé et il a l'air d'avoir des petites soupes et tout. Super. Ça, c'est cool. Je vais regarder ça en détail après. Elle a mis un produit... Mais t'es une malade, hein. Bon, tu sais que j'aime bien les produits pour les cheveux de la marque Kardashian, les Kim Kardashian, tout ça. Beauty, donc c'est Black Seed Oil, liquide hydratation à masque hydratant. Donc je pense que c'est pour les cheveux parce qu'ils font des gammes cheveux, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est génial, j'adore les produits capillaires. Bon, ça t'as dû comprendre, hein. Et j'ai jamais testé la marque Kardashian. Je vais pas y arriver. Bref, j'ai jamais testé cette marque-là, donc j'ai hâte. Ça, c'est mon préféré de chez Rituals, mais... Je vois que tu suis vraiment bien mes vidéos parce que ça veut dire que tu savais. C'est mon préféré. C'est un gel douche mouchant de chez... J'arrive plus à parler. Un gel douche moussant de chez Rituals. Vous savez, c'est la gamme
rose indienne et amande, huile d'amande. En fait, j'aime pas la rose, mais avec l'huile d'amande, je sais pas, c'est une tuerie ce gel douche. Donc merci, je vois que tu me suis et que tu sais mes petits goûts. Une crème hydratante apaisante de chez Nocibé pour les peaux très sensibles et réactives. Alors ça, ça me plaît bien aussi parce que bon, j'ai la peau un peu pas terrible en ce moment. Donc voilà, super, super, super. Je connais pas trop les produits de chez Yves Rocher. Là, tu m'as mis un petit truc comme ça, vous savez, pour où il y a souvent, comment ça s'appelle, des... Alors j'allais dire où il y a d'habitude des amandes, là, des dragées, voilà. Mais elle, elle m'a mis des bijoux, une bague. Oh, elle est trop belle, dis donc. Oh, dis donc, j'ai pas de bague comme ça, regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. Et j'ai jamais eu de bague comme ça, aussi grosse et tout, elle est trop belle. Un petit côté oriental. C'est nos origines hein, qui parlent. Mais waouh, trop trop joli. Oh, merci, 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 merci. Robe de maison pour des journées cool. Je me demande ce que c'est. Ça, j'ai une petite idée. Ah, ça doit être une sorte de... Je vais pas dire djellaba, mais un peu dans ce style-là. Trop belle la couleur déjà. Oh là là. Oui, c'est ça, c'est une sorte de djellaba avec en couleur à manches courtes en fait. Enfin, oui, à manches courtes. Elle est trop, 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 trop jolie. Oh là là, elle est trop belle, les broderies noires comme ça, trop jolie. J'en ai quelques-unes chez moi. C'est vrai que je mets pas ça tout le temps. Mais elle est trop, trop belle. Je mets beaucoup ça en fait quand je suis avec ma belle famille. Parce que la famille de mon mari, ils aiment bien quand on est en tenue un peu plus traditionnelle, on va dire. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. Merci Naïma. Et du coup, bah, j'ai gardé la petite trousse pour la fin. Voici la trousse. Elle est trop belle aussi avec la main de Fatma dessus. C'est vraiment une très très jolie trousse. Mais j'ai l'impression qu'elle est bien remplie. Donc ça va pas du tout ça. Elle est vraiment très très belle. Hein. Alors, que m'as-tu mis? Oh, eau de rose du Maroc. Tu m'as mis des produits à... Oh là là, c'est génial ça. Eau de rose du Maroc. Ah oui, bah ça sent bien bien la rose. Alors moi je suis pas fan de la rose, mais là c'est une eau de rose, donc je pense que c'est pour mettre sur le visage. Tu me rediras Naïma bien sûr en Snapchat etc. exactement quelle est l'utilisation de l'eau de rose, mais je pense que c'est pour le visage. Tu m'as mis un rouge à lèvres Kiko, j'en ai la voix qui part en cacahuète. Un rouge à lèvres Kiko Color Click. Je connais pas du tout cette gamme de rouge à lèvres. Je pense que ça doit être dans les dernières nouveautés. Moi, j'achète pas du tout de Kiko en ce moment. Comment ça s'ouvre? Ah, oh, dis donc, ils sont modernes. Oh, il est trop beau. Il est tout neuf d'ailleurs et c'est une superbe couleur. C'est la couleur numéro 5. Un joli rose comme ceci. Un peu vieux rose. Oh oui, c'est un beau rose. Ça, c'est un rose passe-partout. Il est trop trop beau. Le packaging est trop beau aussi. Dis donc, je connais pas. Ensuite, tu m'as mis... Ah, ça doit être des sortes de masques, etc. Elle m'a mis dans... Tout bien enveloppé comme ça. Je pense que c'est des sortes de masques pour le visage où je regarderai bien en détail et je vais tester avec grand plaisir. Ensuite, tu m'as mis un vernis Colorful... Skin Color, pardon. Skin Color. Un joli rose comme ça. Il est trop beau. Un joli rose, un peu avec des paillettes dorées à l'intérieur, vous le voyez bien. Et trop beau, c'est la couleur Sharon's Earth 202. Il est trop trop beau. Et pour finir, tu m'as mis un soin pour les ongles. Mais fallait pas mettre tout ça, Naïma, ça va pas du tout. Hein. Un soin pour les ongles de la marque Fashion Makeup. Un soin, une base. Et c'est marrant parce que j'ai pas trop trop de base. J'en ai une là de chez Dior. Mais sinon j'ai pas beaucoup de base en fait pour mes ongles et voilà, je suis super contente parce que c'est un des produits que j'utilise le plus en fait sur mes ongles. Je mets tout le temps une base. Donc super de la marque Fashion Makeup, donc je connais pas, je testerai avec grand grand plaisir. Voilà pour ce colis surprise d'une abonnée, merci Naïma, vraiment fallait pas du tout. Ta participation va être mise avec les autres sans problème. Merci du fond du cœur pour vos petits mots, rien que des petites lettres comme ça, ça me touche vraiment. Ça me touche, ça me touche. Je sais pas comment vous dire à quel point ça me touche. Donc merci, merci pour vos petites lettres, vos beaux petits mots, vos petits messages, vos commentaires. Tout ça, ça me touche du plus profond de mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je pense qu'il y aura une suite à cette vidéo. Donc à tout de suite. Hey!
On est dans la suite de ma boîte aux lettres et honnêtement, ce colis, c'est celui que j'attendais depuis déjà quelques temps. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un petit peu de rougeur ici, j'ai encore une allergie qui a décidé de se déclarer. C'est un colis de la part de 1001 Pharmacies et c'est The Cadeau de Malade. Puisque grâce à vous, grâce à mon blog, grâce à mes articles, grâce aux vidéos que j'ai faites, j'ai gagné un concours avec le site 1001 Pharmacies. Vous savez, j'avais été à une soirée blog... avec 1001 Pharmacies, je vous remets, j'avais fait un vlog et du coup on pouvait participer, si on faisait une vidéo et un article sur notre blog, on pouvait participer à une sorte de concours et on pouvait gagner soit des bons d'achat sur le site 1001 Pharmacies, qui est un site que j'adore, et du coup je m'étais dit si je gagne un bon concours, c'est toujours ça de prix puisque j'y commande souvent, et le premier lot c'était un iPad et j'ai gagné. Bon bref, vous allez comprendre que je suis complètement excitée, mais c'est normal, on gagne pas tous les jours un iPad mini. Donc voilà, j'ai ouvert mon colis, j'ai un petit cadeau de la part de l'équipe. Et du coup, coucou Karine, voici ton fameux cadeau. J'espère qu'il te plaira. Gros bisous Anne-Sophie. Puisque Anne-Sophie, c'est celle qui gère tout ce qui est relations et tout avec les blogueuses. Et là, du coup, il y a deux petits échantillons. Et c'est tout bien protégé comme ça. Donc. Oh lolo. Bon bref, vous avez compris que je suis complètement excitée, mais en même temps, c'est normal. Il est bien protégé, c'est cool. On va faire comme ça plutôt. Oh, ils ont des belles boîtes. Tini, je suis trop contente. L'iPad mini. Alors, j'ai déjà un iPad, mais du coup, c'est l'iPad 2, je crois. Il date de quand même au moins 7-8 ans, je l'ai. J'avoue, ils tiennent bien. Et là, c'est l'iPad mini 2 Wi-Fi en 32 gigabits et en version noire. Oh, j'ai hâte de l'ouvrir. J'ouvre tout de suite. Oh, il est trop beau. Regardez-moi ça, alors que je ne casse pas. Donc, j'ai plus qu'à acheter une petite coque et tout pour m'en servir et ne pas l'abîmer. Mais il est trop bien. Il est trop beau. Bon, bref, vous avez compris, c'est quand même la boîte aux lettres de ouf. Mais vous pouvez pas me dire que c'est pas la boîte de lettres de ouf ce dimanche, hein. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air comme d'habitude, mais là j'avoue c'est la boîte de lettres de ouf. Et je l'ai gagné, donc comme je vous disais, grâce à mes articles sur le blog et mes vidéos, mais c'est aussi grâce à vous parce que vous les lisez mes articles et vous regardez mes vidéos, donc ça me fait trop plaisir. Merci à 1001 Pharmacies, merci à Anne-Sophie qui gère tout ça et merci à vous. Ensuite, j'ai eu deux produits de la marque Clarins, c'est super content de pouvoir les tester. Je vous en reparlerai dans une vidéo, je pense, où je me maquillerai avec. Il y a, alors c'est la teinte nude beige déjà, et c'est une sorte de fond de teint, je pense. Ça s'appelle teint pore et matité, lisse le grain de peau et matifie. Et moi, j'ai besoin de lisser mon grain de peau, surtout au niveau du nez, parce que il est pas terrible. Alors matité, pourquoi pas, ça va être toujours cool pour les jours qui arrivent, le fait que ce soit ensoleillé. Voici le packaging qui est beige mat, il est très très beau, donc c'est une sorte de base de maquillage. Après, je sais pas s'il faut mettre son fond de teint quand même par-dessus, vu que c'est écrit base de maquillage. Mais j'ai hâte de le tester, parce qu'elle est un peu teintée quand même comme couleur, et elle est très mate. Hein. Très mate, donc j'ai hâte de tester, et je vous en reparlerai en vidéo. Et le kit, pareil, qui va avec le kit pore et matité, lisse le grain de peau et matifie. Donc cette fois-ci, c'est une sorte de poudre blanche, enfin transparente, qui se présente comme ça. Le packaging chez Clarins, c'est trop trop beau. Hein. Donc c'est une poudre blanche... Et en fait, vous avez une petite éponge pour l'appliquer si vous voulez. Et vous avez aussi en dessous des petits papiers pour la matité. Donc ça, c'est cool pour emmener dans le sac à main, pour s'en servir tout le temps. C'est hyper pratique et c'est quand même un packaging hyper solide. C'est là qu'on reconnaît les produits quand même haut de gamme. Donc j'ai hâte de m'en servir pour vous en reparler. Et je pense que ça va être des produits du style que je vais emmener dans ma... J'allais dire dans ma boîte aux lettres. Non, que je vais emmener dans ma trousse de toilette. Parce que les packagings sont pratiques, c'est petit, ça s'emmène assez facilement, je trouve. Ensuite, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une petite enveloppe comme ça du site monbijou.com. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Ouais, monbijou.com. Voici la petite carte. Et du coup, en fait, ils disent la qualité au meilleur prix. C'est des bijoux petit prix. Vous pouviez, alors nous, en tant que youtubeuse, on pouvait recevoir soit un collier, soit une bague, je crois. Moi, j'ai reçu le collier. Ça se présente comme ça. Alors, ça fait un peu cheap quand même, le packaging. Enfin, l'enveloppe, on va dire, ça fait pas haut de gamme.
Après, vous avez ça dans une petite boîte comme ceci. Et du coup, j'ai reçu un petit collier avec un petit papillon. Je pense qu'il va aller à ma fille. Moi, je mets pas ce genre de collier. Mais pour ma fille, ça peut être cool. Quand voilà, elle veut mettre un petit collier, que faire comme maman, bah voilà, je vais lui garder pour elle. Donc ça, c'est plutôt sympa de la part du site. Je vous invite à aller le voir si vous voulez acheter des petits bijoux. Petit prix, vous avez vraiment toutes sortes de bijoux. Hein. J'ai reçu une enveloppe de ma copine Perlissime. Elle a une chaîne YouTube, elle a aussi un Instagram et un Facebook où vous pouvez lui faire des commandes. J'ai commandé chez elle deux planches de stickers avec des donuts, des flamants roses, des tasses à café Starbucks. Je vous mettrai une photo de ce que j'ai reçu, mais j'ai reçu deux petits lots comme ceci, donc ça fait deux planches, ce qui équivaut à 5€ au lieu de 6€. Donc elle m'a fait une petite ristourne puisque c'est ma deuxième commande. Et elle faisait aussi, vous savez, les emojis de Snapchat, si vous connaissez, elle vous l'a fait. J'avais mis une photo sur Instagram, vous avez été nombreuses à réagir. Donc voilà, je vous mettrai une photo en détail de ce que j'ai reçu. Mais voilà, elle a fait les prénoms de mes enfants en stickers, elle a fait des flamants roses, des petits trucs comme ça de ces Starbucks. Trop trop beau. Donc ça, je suis trop contente. Et c'est 5€ les deux planches au lieu de 6. Et si vous venez de ma part, voilà, vous pouvez acheter deux planches pour 5€. Donc n'hésitez pas à lui dire que vous venez de la part de Karine Miss Book et elle vous fera ce petit prix là. Elle a mis aussi deux petits stickers qui sont trop bien avec le nom de ma fille. Voilà, elle a vraiment du talent avec ses stickers, c'est le nom de ma fille et le nom de mon fils. Et elle m'a mis un petit mot et un petit rat de cou, un choker, tout velours comme ça, violet. Alors violet c'est pas vraiment les couleurs que je peux mettre tout le temps, mais voilà, elle m'a dit que c'était un fait maison. Il est très beau en tout cas. C'est vrai qu'avec les rouges à lèvres violets ça peut être sympa aussi. Il est très beau et c'est un fait main, donc trop cool. Merci beaucoup Perlissime. Donc c'est cool, je vous mets comme je vous ai dit une petite photo. Ensuite dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu aussi de la part du site Gravissimo. C'est un site où vous pouvez faire des cadeaux personnalisés. Donc j'ai reçu dans une enveloppe comme ça une serviette. D'ailleurs je suis étonnée parce que je la voyais pas si grande. J'avais pas fait gaffe à la taille. Donc c'est un site où vous pouvez commander des cadeaux faits personnalisés ou d'autres choses. C'est un site vraiment, c'est une petite mine d'or. Il y a plein de choses à découvrir. Vous pouvez faire des verres, des coques, des nounours personnalisés, des porte-clés, des coussins, enfin vraiment plein de choses personnalisées. Ça se réduit pas qu'aux mugs ou aux cadres. Vraiment, il y a beaucoup de choses, même des pendentifs personnalisés avec les photos que vous voulez, etc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai un code de 5% de réduction que je vous remettrai ici. Et moi, j'ai pris une serviette couleur beige parce qu'il n'y a pas trop de choix au niveau des couleurs. C'était bien dommage. Parce que j'aurais préféré une autre couleur, peut-être grise, mais c'était une serviette brodée. Parce que oui, ma fille et moi, on a notre serviette brodée que mon mari nous a offerte. Moi, j'ai offert à mon mari sa serviette brodée que j'ai achetée à Zodio aussi avec son nom dessus. Du coup, bah, maintenant que petite Oran est là, je me suis dit bah, que c'était cool aussi de lui faire sa serviette brodée. Mais alors, je pensais pas qu'elle était si grande. Et voilà, donc vous avez la serviette brodée et le prénom de Oran dessus. Et la broderie, elle est vraiment de bonne qualité. Juste la serviette, elle est beige, foncée. Donc moi, je voulais une couleur un peu foncée comme ceci. Mais j'aurais préféré grise. Et il n'y avait pas trop de choix au niveau des couleurs. Donc ça, c'était le petit hic, on va dire. Mais la qualité de la serviette est très très bien. Bon, j'ai plus qu'à la laver pour voir ce que ça donne. Mais elle est énorme, la taille de la serviette. Ça va faire 4 fois son tour. 4 fois, enfin bon, je vais pas l'utiliser tout de suite. Mais en tout cas, je suis ravie parce que maintenant, Oran, il a sa petite serviette personnalisée. Et je suis contente d'avoir découvert ça sur ce site. Puisque moi, je pouvais le faire chez Zodio, où il y a un petit stand de broderie de temps en temps, mais pas tout le temps. Et pas tous les audios. Et c'est pas partout qu'on peut faire ça. Donc voilà, trop ravie de ce petit... de cette petite chose. Et pour finir... petit concours aussi qui viendra sur mon Instagram et mon Facebook. Je vais pouvoir vous faire gagner des choses encore de la marque Garnier, qui est vraiment un partenaire top. Et il s'agit des masques, leur nouveauté, les masques en tissu hydrabombe, qui sont comme ça et qui paraît qu'ils sont géniaux. Donc je vous les teste dans une prochaine vidéo, peut-être routine cocooning ou quelque chose comme ça, mais j'ai hâte de les tester. Je suis assez fan des masques en tissu et du coup bah vous pourrez vous aussi les gagner très prochainement dans une vidéo sur Instagram et sur Facebook. Et toujours de la marque Garnier, vous pourrez
Vous pouvez gagner. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Gagner cette petite brume protectrice pour le soleil. Et moi, je voulais absolument. J'étais super contente en fait que la marque accepte de me l'envoyer parce que je me suis dit que pour cet été, c'était parfait. Que ce soit pour moi, pour mon bébé. Enfin, pour mes deux bébés. Du coup, c'est SPF 50, haute protection contre les UVA, les UVB, les UV longs. Ça s'appelle donc ambre solaire, sensitive, expert, peau claire et sensible. Bon, mes enfants, ils ont pas la peau claire, mais ça leur fera pas de mal. Et pareil, ça, vous pouvez le gagner sur mes réseaux sociaux. C'est juste top. Merci Garnier. Ah, et je vois aussi... Oh, bah c'est trop bien, vous pourrez gagner ça aussi. Mais voilà, Garnier, ils sont top, hein. Et je vois aussi qu'il y a des petits masques comme ceci. Alors, je me rappelais pas du tout avoir commandé ces petits masques, mais bon, c'est le top. Et c'est aussi des masques pour le visage, les skin actifs comme ça. Ils ont une gamme Garnier de dingue, en tout cas, dans ce que masque, soins, visage, tout. Là, il y a les aquamasques, les matcha et kaolin masques, volcano masques. Juicy Mask et Honey Mask. Donc cette fois-ci, c'est pas des masques en tissu, c'est des masques bah voilà, à mettre sur votre visage quand vous avez envie d'un soin. Donc ça aussi, ce sera à gagner. J'ai hâte de tester. Je pense que je vous ferai une vidéo, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire les idées de vidéos que vous avez pour moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que bah, du coup, oui, ça m'intrigue. Donc je suis contente. Cette boîte aux lettres est juste ouf. Je vous reviendrai peut-être demain ou après-demain pour d'autres colis si cette boîte aux lettres ne dure pas 20 ans. Sinon, ça sera dans une prochaine vidéo. Salut, salut !